pantalons, que d'eux je me délivre. Vous marchez d'un tel poids qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma Bru, laissez. Ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci. Et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien. Chacun y parle haut. C'est tout justement la cour du roi Péto. Si! Vous êtes, mamie, une fille suivante. Un peu trop forte en gueule. Et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air de méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois... Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort. Et vous menez sous chape un train que je vais fort. Mais ma mère... Ma Bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et cet état me blesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma Bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils, son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse, vous prêchez des maximes de vivre, qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur. Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi ? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non! Voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ses façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu séance s'impatronise, qu'un gueux, qui quand il vint n'avait pas de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Eh, hey, merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Mais tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierais, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut-être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrousse. Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Taisez-vous! Et songez aux choses que vous dites! Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantée, et de tant de laquais le bruyant assemblage, font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Hé, voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si... Pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis.
Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sauts caquets, n'ayons donc nul égard. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence. Et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine et son petit époux, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie, et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croit. Des actions d'autrui teintent de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs, et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont donné de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma Bru, l'on est chez vous contrainte de se taire, car madame a jasé, tient le dé tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage. Que le ciel, au besoin, l'a séant envoyé pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut, vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces bals, ces conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles, bien souvent. Le prochain en a sa bonne part et l'on sait y médire et du tiers et du quart, enfin. Les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. Mais le caquet divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour, un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille et tout du long de l'aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas, monsieur, qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire et sans... Adieu, ma Bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour Séan, j'en rabats de moitié, et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Alors, vous, vous rêvez ébahis aux corneilles? Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, go! Marchons! Oh, je n'y veux point aller, de peur qu'elle ne vint encore me quereller. Que cette bonne femme! Ah, certes! C'est dommage qu'elle ne vous ouïe tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Et comme elle ne sait pour rien contre nous échauffer et que de son tartuffe elle paraît coiffée. Ah, vraiment? Tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage. Et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère, l'aime dans son âme. 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choie, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide ». Oh, enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par 100 d'or fardé à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tout ce temps que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fa qui lui sert de garçon, qui nous se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches.
le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des saints, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari, comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Et moi, je l'attends ici pour moins d'amusement, et je vais lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur touche chez lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands, et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait qu'il entre. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine! Mon beau frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille. Gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea deux perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe! Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut. Et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme! Tous deux se portent bien enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé de semblables caprices? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui? Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas. Puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Oh, un homme! Un homme, enfin. Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde. Et comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Je verrai mourir frère, enfant, mère et femme. Que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour... À l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais,
Il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout. Et qu'à ma femme même, il prend, pour mon honneur, un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et puis que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Parbleu ! Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi ? Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veines si magrées, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez! Tous vos discours ne me font point de peur, je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. Et quoi ? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion ? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage ? Égaler l'artifice à la sincérité ? Confondre l'apparence avec la vérité ? Estimer le fantôme autant que la personne ? Et la fausse monnaie à l'égard de la bonne ? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, ils passent ses limites. Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes... Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé... que les parfaits dévots. Aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré. Ces gens, dis-je, convoient d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlants et priants, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont prompts, vindicatifs, sont froids, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. D'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle. Mais, par un faux éclat, je vous crois ébloui.
Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je le sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Mais pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère, à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu! Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne! Mon père? Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Orsu! Nous voilà bien. J'ai Marianne en vous reconnue de tout temps. Un esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de paix. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute? Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Vous. Voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Hein? Hé? Eh? Qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure! Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité! Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté? Quoi? Vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. Et comme sur vos vœux, que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc, la chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson! Ce que je dis, ma fille, n'est point un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis... Non, vous allez vous faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux. Eh bien, vous croira donc, et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis que vous apporte une telle alliance?
Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances? Et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille, on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait, et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut. Et je suis votre père. Je vais donner pour vous ma parole à valeur. Mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus! Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. Et c'est une richesse à nul autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle? Elle n'en fera qu'un son, je vous assure. Ouais, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure, et que l'ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin, taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait... Je ne veux pas qu'on m'aime. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Votre honneur m'est cher, je ne puis souffrir qu'au brancard d'un chacun, vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Que diras-tu, chien porc, dont les traits effrontés? Ah, vous êtes dévot, et vous vous emportez. Oui, ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais ne disons mot, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler. Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toute chose. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte... Oui, c'est un bon museau. Quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons... Le voilà bien loti. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc de ce que je dis, on ne fera nul cas. Pourquoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire, que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Pff, encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Oh, que le saute à ma voix. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerais fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous. Avec qui sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu. Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu.
Qu'avez-vous donc perdu? Dites-moi la parole. Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Oh, un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et si tu pas pour lui, jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois. Et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu! Mais quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens? Je ne compatis point à qui dit des sornettes et dans l'occasion molly comme vous faites. Mais que veux-tu? Si j'ai de la timidité. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais ne regardais-je pas pour les feux de Valère? Il ne se passe à lui de m'obtenir d'un père. Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui s'est de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferai-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirai-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge, le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Oh mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme. Ah! Cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, qu'en oncles et cousins vous trouverez fertile. Vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame l'Élu, qui, d'un siège pliant, vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir deux musettes et parfois fagotin. Et les marionnettes, si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir! De tes conseils, plutôt, songe à me secourir! Je suis votre servant! Mais Dorine, de grâce! Il faut, pour vous punir, que cette affaire passe! Ma pauvre fille! Non! Si mes voeux déclarés... Point! Tartuffe est votre homme et vous en tâterez! Oh, tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée! Fais-moi! Non! Vous serez, ma foi, tartuffiée! Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir.
C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais de mes mots l'infaillible remède. Hé là, là, je quitte mon courroux. Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Oh, vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement t'empêcher. Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas. Et qui, sans doute, est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame. A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon? Sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime? Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter, et je déclare moi que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions, vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui. Oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Oh! Je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excitent le mérite... Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. Oh, la perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous vissez à mes yeux passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oh oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. Pas mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être à point de mes servis. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Et
Pourquoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi, vous rêvez. Je poursuis dans mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pourquoi je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance? Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Hola, seigneur Valère! Hé, hey, que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non! Non, le dépit me domine, ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez! Non, vois-tu, c'est un point résolu! Oh! Il souffre à me voir. Ma présence le chasse, et je ferai bien mieux de lui quitter la place. À l'autre! Où courez-vous? Laisse! Il faut revenir! Oh non, Dorine! Enfin, tu me veux retenir! Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice. Et sans doute, il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore! Diantre soit fait de vous si je le veux! Cessez ce badinage, et venez ça tous deux! Mais quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée? N'as-tu pas vu la chose? Et comme il m'a traitée? Oh, sottise des deux parts! Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seule. Il n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner ressemblable conseil? Mais pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux! Ça, la main, l'un et l'autre! Allons-vous? À quoi bon ma main? Oh! Ça, la vôtre! De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite avancez! Vous vous aimez tous deux! Plus que vous ne pensez! Mais ne faites donc pas les choses avec peine. Et regardez un peu les gens sans nulle haine. À vous dire le vrai, les hommes en sont bien fous. Oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat. Et songeons à parer ce fâcheux mariage. Oh, dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez! Et sans tarder, employez vos amis pour vous faire retenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu! Quelques efforts que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres qu'à Valère. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse oser. Jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin. Quel caca est le vôtre? Tirez de cette part. Et vous, tirez de l'autre. Sur l'heure achève mes destins. Qu'on me traite partout du plus grand des faquins, s'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête. Et si je ne fais pas quelques coups de ma tête? De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose. Et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce fat j'arrête les complots. Et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Oh, Toutou! Envers lui, comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plus à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments, et lui faire reconnaître quel fâcheux démêlé il pourra faire renaître, s'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir.
Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez entrer. Je puis être présent à tout cet entretien. Moi, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires. Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je veux voir. Sans me mettre en courroux. Que vous êtes fâcheux. Il vient. Retirez-vous. Laurent, serrez ma air avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous ? Vous dire ? Ah, mon Dieu ! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Dans de pareils objets, les âmes sont blessées. Cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Mais la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte. Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas. Très volontiers. Il se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt ? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel a jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé. Et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nul dès votre instant ce qui n'est eu pour objet votre convalescence. Votre zèle, pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. Oui, c'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire un serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pire mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Oh, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. Ah, de vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Qu'est-ce qu'il a, votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Oh, mon Dieu. Donc, à de ce point, l'ouvrage est merveilleux.
On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toutes choses on a vu si bien fait. C'est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit deux mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs. Et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ces plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris. Et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. Oh, d'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit, une surprise adroite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut. Vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur, et se met, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on nomme... Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout. Jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes voeux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion. À nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard. Il n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles,
Sans cesse de leur progrès, on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer leur langue indiscrète en qui l'on se confie. Déshonorent l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret. Avec qui, pour toujours, on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, votre rhétorique, en termes assez forts à mon âme, s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne puisse bien altérer l'amitié qu'il vous porte. Non, je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir et... Non ! Madame, non ! Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, Damis ! Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux et que trop excité de désordre chez nous. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler, mon père, votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, et il n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. Oh, de quelque grand forfait qu'on me puisse se reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous.
je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Oh, traître! Oh, je tue bien par cette fausseté! Vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La feinte douceur de cette âme hypocrite vous fera... Tais-toi, peste maudite! Mais laissez-le parler, vous l'accusez à tort! Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Mais pourquoi j'en ai-t-elle fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous viez-vous mon frère à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non! Oh non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien, oui. Mon cher fils, parlez, mais traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point. Je les ai mérités, et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Quoi, ces discours vous séduiront au point... Toi, pandard. Mon frère, élevez-vous de grâce. Infâme. Mais il peut... Tais-toi. J'enrage quoi? Je passe... Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Non, mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il ait reçu pour moi la moindre ingratitude. Ingrat? Mais laissez-le en paix, s'il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous moquez-vous. Coquin, vois sa bonté. Donc... Paix. Quoi? Paix, dis-je! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger. Oui, traître, et dès ce soir pour vous faire enrager. Oh, je vous brave tous et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte. Et qu'à l'instant, Fripon se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi? De ce coquin qui, par ses impostures... Je résiste, gueule, et lui dit des injures. Un bâton, un bâton! Ne me retenez pas. C'est que de ma maison, on sorte de ce pas, et que d'y revenir, on n'ait jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais... Vite, quittons la place! Je te prive, pandard, de ma succession et te donne de plus ma malédiction. Oh. Offenser de la sorte une sainte personne. Au ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas. Le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Céan, quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment? Vous moquez-vous? On m'y est. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe! Voyez-vous que mon cœur les écoute? Oh, on ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Mon frère. Une femme aisément de mari peut bien surprendre l'âme. Non, non! Oui, laissez-moi vite en m'éloignant d'ici. Leur hôte est tout sujet de m'attaquer ainsi. Non! Vous demeurerez. Il y va de ma vie.
faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, oui. Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat. Et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse. Et vous ne me verrez... Non. En dépit de tout, je vous la fréquenterai. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toute chose. Le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. En parle. Et vous m'en pouvez croire, l'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire. Et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos pour vous en dire net ma pensée en deux mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose. Je passe là-dessus et prends au pis la chose. Supposons que Damis n'en est pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé? Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le fils en grâce avec le père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme. Il voudrait le servir du meilleur de mon âme, mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde en croirait. La pure politique, on me l'imputerait, et l'on dirait partout que me sentant coupable, je feins pour qui m'accuse un zèle charitable, que mon cœur l'appréhende et le veut ménager, pour le pouvoir sous-main au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées, et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées. Les intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Et ne regardez point aux jugements humains quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi? Le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire? Non, non. Faisons toujours ce que le ciel prescrit. Et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne. Et c'est faire au monsieur ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Mais vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père le conseille? Et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du père cette donation qu'il a voulu me faire... Ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains, qu'il ne trouve des gens qui l'ayant en partage en fassent dans le monde un criminel usage. Ils ne s'en servent pas ainsi que j'ai dessein.
pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Et monsieur, n'ayez point ces délicates craintes qui, d'un juste héritier, peuvent causer des plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls le possesseur de son bien, et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse que si de l'en frustrer il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que sans confusion vous en ayez souffert la proposition, car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de Céans une honnête retraite que de souffrir ainsi contre toute raison qu'on en chasse pour vous le fils de la maison? Croyez-moi, c'est donner de votre prudomie, monsieur... Il est monsieur 3h30. Certains devoirs pieux me demandent là-haut et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Avec nous, employez-vous pour elle. Monsieur, son âme souffre une douleur mortelle. Et l'accord que son père a conclu pour ce soir l'a fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie. Et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah ! Je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon père, infortuné. Si contre doux espoirs que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés qu'à genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre, et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien. J'y consens de bon cœur et je vous l'abandonne, mais au moins n'allez pas jusque à ma personne, et souffrez qu'un couvent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Ah, voilà justement de mes religieuses. Lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses, debout. Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi ? Taisez-vous, vous ! Parlez à votre écho ! Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelque conseil vous souffrez qu'on réponde... Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas. Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer, du trait que ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autre manière ému. Ce coup simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort. Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris, simplement. Et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur, nous nous montrions sages. Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages, dont l'honneur est armé de griffes et de dents, et veut au moindre mot dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse. Et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais l'affaire.
et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chanson. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière. Contes en l'air. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? Dans ce cas, je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot, nous verrons votre adresse, et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non. On est aisément dupé par ce qu'on aime. Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous, retirez-vous. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. Et pourquoi sur cette table? Oh mon Dieu, laissez faire. Oh. J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que, je crois, rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre. Ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite. Flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez l'affaire à ses avant-poussées, d'épargner votre femme, et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître, et... Oh, on vient. Tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui. L'on a des secrets à vous y révéler. Mais... Tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout, de crainte, de surprise. Une affaire, pareille à celle de tantôt, n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été. Et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage. Et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis,
sans peur d'être blâmée, me trouver ici, seule, avec vous, enfermée. Ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt, peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Oh, si de tels refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il peut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos voeux par honneur notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir d'Amis me serais-je attachée? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre? Et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout vint partager du moins un cœur que l'on veut tout? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude, mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Mais je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse ? Et d'un cœur tout d'abord épuisé la tendresse. On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse la fin. Mais moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos voeux sur des discours ont peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Oh, mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer ? Si est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par des efforts pressants du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Mais je peux vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous tous efforts, madame. Oui, je suis au
supplice. On veut un morceau de ce jus de réglisse. C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde, ici, ne feront rien. C'est la certe et fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, oui, madame. On s'en charge. Et la chose de soi... Ouvrez un peu la porte. Et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie... Mais qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe. Sortez, je vous prie, un moment. Et partout, là, dehors, voyez exactement... Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci assomme. Quoi ? Vous sortez si tôt ? Vous vous moquez des gens ? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non ! Rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre, et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravit tout d'eau. Vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas vous tant passionner. L'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez avant poussé le témoignage, je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Mais on m'a mise au point de vous traiter ainsi. Quoi, vous croyez ? Traînons, point de bruit, je vous prie ! Dénichons l'océan et son cérémonie. Mon dessein ! Ces propos ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous qui parlez en maître. La maison m'appartient. Je le ferai connaître et vous montrerai bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure. Et j'ai de quoi confondre et punir l'imposture. Venger le ciel qu'on blesse. Et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ma foi, je suis confus. Il n'est pas lieu de rire. Comment ? Je vois ma faute aux choses qu'il me dit.
Et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation? Oui, c'est une affaire faite. Mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Et quoi? Vous saurez tout. Mais voyons au plus tôt si certaines cassettes est encore là-haut. Quoi, mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qu'il n'est point de bienfait quand son âme il n'efface? Et que son lâche orgueil, trop digne de courroux, se fait de vos bontés des armes contre vous? Oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Oh, laissez-moi! Je lui veux couper les deux oreilles! Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi tout d'un coup de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme! Voilà tout justement parler en vrai, jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où par la violence on fait mal ses affaires. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits. Et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages. Me chasser de mon bien où je l'ai transféré. Et me réduire au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'étranges sortes, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois, quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront. Mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans son compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Mais des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère, je vous dis que j'ai vu, de mes yeux, un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici bas qui s'en puisse défendre. Oh, c'est tenir à propos de sens bien dépourvu, je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu. Ce qu'on appelle vu! Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Au faux soupçon, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Mais diantre, le moyen de m'en assurer mieux! Je devais donc ma mère attendre qu'à mes yeux il eût... Vous me feriez dire quelque sottise. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère ce que je vous dirais, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas, vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Nous perdons des moments en bagatelle pure, qu'il faudrait employer à prendre des mesures. Aux menaces du fourbe, on doit ne dormir point. Quoi? Son effronterie irait jusqu'à ce point? Si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes. Et mais... Que veut cet homme? Allait-on le savoir? Je suis bien en état que l'on me vienne voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie, que je parle à monsieur.
Il est en compagnie, et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importants. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise, et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de Monsieur Tartuffe pour son bien. C'est un homme qui vient, avec douce manière, de la part de Monsieur Tartuffe, pour affaire dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Salut, monsieur. Le ciel perde qui vous veut nuire, et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère, et j'étais serviteur de monsieur... Votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à verge en dépit de l'envie. J'ai, depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifiez l'exploit de certaines ordonnances. Quoi, vous êtes gicier? Monsieur, sans passion, ce n'est rien seulement qu'une sommation. Un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise, ainsi que besoin est. Moi, sortir de chez eux? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison à présent, comme vous savez de reste, au bon monsieur Tartuffe, appartient sans conteste. De vos biens désormais, il est maître, seigneur, en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous. C'est à monsieur. Il est irraisonnable et doux, et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à justice. Mais... Oui, monsieur, je sais que pour 1 000 000, vous ne voudriez pas faire rébellion, et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien ici, sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à verge, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise. Où se retire, monsieur? J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès-verbal. Ce monsieur Loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses. Et ne me suis voulu, monsieur, charger des pièces que pour vous obliger vous faire plaisir, que pour ôter par là le moyen d'en choisir qui, n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Et que peut-on de pis que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux? On vous donne du temps. Et jusqu'à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec 10 de mes gens. Sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte, avant que se couchent les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider le séant jusqu'au moindre ustensile. On n'en peut pas user mieux que je fais. Je pense, et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, monsieur, d'en user bien, et qu'au dû de ma charge, on ne me trouble en rien. Du meilleur de mon cœur, je donnerai sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure et pouvoir à plaisir sur ce mufle asséné le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Laissez, ne gâtons rien. Cette audace étrange, j'ai peine à me tenir. Et la main me démange. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous sieraient pas mal. On pourrait punir ces paroles infâmes, mamie. Et l'on décrète aussi contre les femmes. Finissons tout cela, monsieur, c'en est assez.
Donnez tout ce papier, de grâce, et nous laissez. Jusqu'au revoir. Le ciel vous tienne tous en joie. Puisse-t-il te confondre et celui qui t'envoie? Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit, et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues? Je suis toute ébaubie. Et je tombe des nues. Avec regret, monsieur, je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre a violé pour moi par un pas délicat le secret que l'on doit aux affaires d'État et me vient d'envoyer un avis dont la suite vous réduit au parti d'une soudaine fuite. Le fourbe qui longtemps a pu vous imposer, depuis une heure au prince a su vous accuser et remettre en ses mains dans les traits qu'il vous jette d'un criminel d'État l'importante cassette. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, mais un ordre est donné contre votre personne et lui-même est chargé pour mieux l'exécuter d'accompagner celui qui vous doit arrêter. Voilà ses droits armés et c'est par où le traître de vos biens qu'il prétend cherche à se rendre maître. L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Le moindre amusement vous peut être fatal. J'ai pour vous emmener mon carrosse à la porte, avec 1000 louis qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps. Le trait est foudroyant et ce sont de ces coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite. Lorsque ne dois-je point vos soins obligeants? Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps et je demande au ciel de m'être assez propice pour reconnaître un jour ce généreux service. Adieu, prenez le soin, vous allez autres. Tôt, nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut. Monsieur, tout beau. Ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte. Et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Oh, traître. Tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies, et voilà couronner toutes tes perfidies. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir. Et je suis, pour le ciel, appris à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue. Comme du ciel, l'infâme impudemment se joue. Tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir, mais je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre, et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Un emploi ne saurait être que glorieux quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Mais t'es-tu souvenu que ma main charitable, ingrat, t'a retiré de l'état misérable? Délivrez-moi, monsieur, de la créaillerie. Et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui. C'est trop demeuré, sans doute, à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui, moi, monsieur? Oui, vous. Pourquoi dans la prison? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince, ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Il donne aux gens de bien une gloire immortelle. Mais sans aveuglement, il fait briller ce zèle. Et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur à tout ce que les faux doivent donner d'horreur. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre. Et de pièges plus fins, on le voit se défendre. D'abord, il a percé par ses vives clartés des replis de son cœur toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même. Et par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé dont sous un autre nom il était informé.
et c'est un long détail d'actions toutes noires dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque en un mot a vers vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'au bout et vous faire, par lui, faire raison de tout. Oui, de tous vos papiers dont il se dit le maître, il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait don de tous vos biens. Il vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits, pour montrer que son cœur sait, quand moins on y pense, d'une bonne action verser la récompense, que jamais le mérite avec lui ne perd rien, et que mieux que du mal, il se souvient du bien. Louée. Maintenant, je respire. Favorable succès. Qui l'aurait osé dire? Eh bien, te voilà, traître. Ah, mon frère, arrêtez. Et ne descendez point à tes indignités, à son mauvais destin. Laissez un misérable. Et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur, en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour. Qu'il corrige sa vie en détestant son vice et puisse du grand prince adoucir la justice, tandis qu'à sa bonté, vous irez à genoux rendre ce que demande un traitement si doux.
La pièce Tartuffe vous a été présentée par la Banque Laurentienne. Nous espérons que vous avez passé un beau dimanche. La semaine prochaine, au Beau Dimanche, un autre rendez-vous pour tous les amateurs d'art dramatique. En direct du Monument National, la Soirée des masques, la grande fête annuelle du théâtre de chez nous. Ici Winston McQuaid, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine.